Après 2 semaines de logistique et de repérage en plongée sur Basse-Terre, le Wai rejoint le Gosier à la voile. Et c'est là qu'Aurélie, Robin, Tom et moi-même allons rejoindre l'équipage. Et puis on va continuer les plongées d'exploration tout autour de la Guadeloupe et de la Désirade pour trouver nos futurs sites d'études scientifiques. On fait de la plongée qui est engagée, on fait de la plongée qui est difficile, on fait de la plongée qui se passe en général bien au quotidien, mais parce qu'on est vigilant sur une somme de points qui sont rappelés dans la checklist. De base, dans notre activité, on multiplie déjà les causes possibles et quand on va profond, on est d'autant plus vigilant. C'est juste un petit rappel, ça fait pas de mal. On va plonger ? During this explorative part, we are planning to take a series of photo quadrants to have an idea of the composition of the habitat around the island at different depths. The main point of the quadrant is having a fixed reference, so we need to have pictures that are completely comparable one with the other. To do this, we have a fixed quadrant attached to a camera so that the distance from the quadrant is always the same, the area that we analyze is always the same, so the data are standardized and can be compared between different depths and different environments. For example, in completely different places, like in Polynesia, in Mediterranean, in Canary Island, we do the same technique, so we can have an idea of how different are the habitat composition and the species composition of the bottoms at different depths. It's useful because we want to see where is the peak of biodiversity with the depth in different environments. Il y a vraiment plein d'espèces de ponches. Hein. Ouais, les ponches, il y a plein d'espèces. Des grandes, mais aussi beaucoup de petits. Ouais. Entre 85 et 115, tu as une petite forêt pas très dense, mais où il y a quand même pas mal de vie. Et ensuite, il y a un petit décroché encore à partir de 120 qui doit descendre jusqu'à 130. Enfin, ça fait des marches en fait. Et c'est sympa. Not now, Alex, I'm sweating. Hein? Perché questi qui tatti e cibi, russi a scambi e tratti, dite non mi sono palleggiato a cogerlo, due mezzo mi è male affogata su. Qu'est-ce qu'il dit? Je voudrais savoir ce que tu dis. T'as filmé, on va faire une traduction. Allez, petit chat. Alors, qui veut manger? Par contre, les baleines, elles étaient. T'avais beaucoup de bruit? Tout le temps, tout le temps. Par contre, je sais pas où elles sont. De toute façon, moi j'ai pas vu une baleine depuis que je suis là. Alors, je crois qu'elles arrivent mercredi après-midi, les baleines. En même temps que les tortues. Ça reste combien de temps la trace de masque? Ça va trop. Et là, vous deux, vous l'avez eu, hein. Le poil dans la main, il reste combien de temps? L'autre, je sais pas. J'en ai fait combien de ça? C'est l'anniversaire de Robin. 11 ans. Bon anniversaire. Oh là là. Il y a 11 ans, Robin est né. C'est une toute petite créature. Joyeux anniversaire. On trinque aussi à ces belles plongées qu'on a faites, en particulier la vôtre aujourd'hui.
Le record de Joël et Lorenzo. C'est quoi, 160 mètres pour Lorenzo et 155 mètres pour Joël. Avec maman, on t'a acheté une paire de palmes Under the Pole. C'est tout l'équipement. Et là, ça palmes pour descendre. Parce que t'as, j'ai pas mis tout ton matériel, t'as déjà le masque et tout ça. Et là, t'as carrément des palmes. Et tu sais que ces palmes-là, eh ben, c'est les mêmes que moi je me suis acheté quand j'ai commencé à plonger. Tiens, mon chat. Ça chauffe. Non mais le réseau, fallait pas ouvrir la troisième. On va attendre pour le dessert. Non, non, le réseau. Lâche pas, lâche pas. Ne lâche surtout pas. Pas de blessés, s'il vous plaît. Non, mais j'ai fait.